n'aurais jamais dû venir ici, guerrier de la lumière. Je ne fais qu'œuvrer pour la paix, je te l'ai déjà dit. Cette paix que ton ignorance et ta foi aveugle risquent de nous enlever. Mais puisque le destin en a voulu ainsi, alors je ne m'y opposerai pas. Prépare-toi à mourir. Nous qui avons été abandonnés par les dieux et trahis par les hommes, serons les acteurs de notre propre délivrance. Prenez ce corps et remplissez-le de votre lumière. Revenez marcher avec vos frères et vos sœurs. Ô sainte Shiva, extirpez la haine de nos cœurs et bénissez-nous de votre grâce éternelle. Imbécile. Comment peux-tu être aussi lucide et aveugle à la fois? Toi, plus que tous les autres, devrais comprendre les souffrances que la guerre inflige. Qu'aucun sacrifice n'est trop grand pour maintenir la paix. La cause que je défends est juste. Tu livres une guerre que tu ne comprends pas. Tu n'es qu'un pantin manipulé par des menteurs et des conspirateurs. Et ces gens-là sont aussi stupides que toi. Ils suivent les croyances erronées de leurs parents sans réfléchir ni se remettre en question. Ils sont prisonniers d'une illusion de leur propre création qui les rend incapables de voir la vérité. Il n'est pas trop tard pour obtenir une rémission. Toi et moi pouvons guider les autres vers le salut. Va voir le gardien du lac et écoute son histoire. Mère t'a donné un cadeau magnifique. Ne le gâche pas. Les humains doués de l'écho peuvent donc servir de vaisseau pour l'influx divin. Dois-je m'en réjouir ou m'en affliger? La Abrea risque de remporter les faveurs du maître. Moi, je n'aime pas ça. Au nom d'Ishgard et de tous ses habitants, permettez-moi de vous exprimer notre plus grande reconnaissance pour le service que vous nous avez rendu. C'est la première fois que notre nation est confrontée à la menace d'un primordial. De ce que nous avons appris sur ces êtres, je peux dire avec certitude qu'il y aurait eu beaucoup de morts si les héritiers n'étaient pas intervenus.
Vous êtes donc d'accord pour dire qu'il est plus sage de prévenir ces menaces, n'est-ce pas? Dans ce cas, vous voudrez peut-être reconsidérer ma proposition de frappe préventive sur Natalan? Peu après notre première rencontre, un groupe de chevaliers a présenté une proposition similaire devant l'Assemblée. Toutefois, le Saint-Siège a décrété que nous devions rester des observateurs et ne recourir à la force armée qu'en cas de légitime défense. De mon point de vue, ce n'était pas une décision déraisonnable. Depuis le fléau, deux de nos forteresses sont tombées entre les griffes des Dravaniens, tandis que Garuda ne s'est encore jamais approchée des portes du jugement. La menace que font planer les dragons sur notre cité est plus imminente que celle des Ixali. Toutefois, cette crise sans précédent et sa résolution peuvent conduire à un changement durable. En effet, contrairement à vous, les pontifes d'Ishgard ignoraient le danger que les primordiaux représentent. Maintenant qu'ils en ont conscience, ils vont certainement prendre les décisions qui s'imposent. Voilà qui devrait faire réfléchir les opposants à l'aide au développement hors de nos frontières. Peut-être même que le Saint-Siège encouragera cette démarche à l'avenir, allez savoir. Il va sans dire que les héritiers seront indemnisés pour leurs services. Nous n'avons pas beaucoup de matériel à notre disposition, mais nous en enverrons autant que possible au glas des revenants. Toute aide sera la bienvenue. En signe de bonne foi, je vais retirer ma demande précédente. Vos hommes seront certainement plus utiles ailleurs. Ce ne sera pas nécessaire. Nous nous intéressons aussi au mouvement des Dravaniens. Je vois. Merci encore, commandant. Vous m'enlevez une épine du pied. Sauf votre respect, Sir Emeric, pensez-vous vraiment que Midgar Zor me pourrait revenir ? Les cieux détiennent toutes les réponses à nos questions. Mais ceux qui interprètent leurs mouvements ne sont pas infaillibles. J'ai demandé votre implication par mesure de précaution. Vous aviez décidé d'envoyer des matériaux au glas des revenants avant même que Shiva ne se manifeste, n'est-ce pas? Il en est ainsi depuis que vous avez réalisé ce qui arriverait si la colonie tombait entre les mains de vos ennemis. Ishgard n'a pas pour coutume d'aider les autres nations. Mais ça ne l'empêche pas de manipuler les autres pour servir ses propres intérêts. Vos accusations sont outrageantes. Savez-vous quel est l'élément le plus important pour devenir capitaine général des Templiers d'Ishgard? Appartenir à l'aristocratie. Ce n'est pas mon cas et pourtant j'ai réussi à obtenir ce titre. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai appris à faire la différence entre les mots, les actes et les croyances. Écoutez bien, Alfino. Les dirigeants d'Ishgard veulent voir le glas des revenants s'agrandir, car ils estiment qu'il fera un excellent bouclier contre nos ennemis du Sud. C'est bien ce que je pensais. Peu importe la raison, c'est le résultat qui compte ici. La colonie a besoin de ressources pour se développer. Et les Ishgardais proposent de leur en fournir. De mon point de vue, tout le monde est gagnant. Les dragons s'agitent de plus en plus, et les hérétiques ne cessent de malmener nos chevaliers. Nous avons enduré cette situation pendant plus d'un millénaire, mais il y a une limite à tout. Les dirigeants d'Ishgard n'ont pas l'habitude d'accorder leur confiance aux étrangers. Mais si nous persévérons, nous pourrons peut-être leur faire entendre raison, et les convaincre d'ouvrir leurs portes. Notre pays a une longue tradition d'isolement politique. Mais les jeunes générations souhaitent évoluer dans un contexte plus favorable, sachez-le. Je suis rassuré d'entendre que vous et moi pensons pareil, Sir Emeric. Je vous prie de m'excuser pour ma réaction excessive à l'instant. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça. Ne vous excusez pas. C'était des mots qui venaient du cœur. Compte tenu de la nature de mes fonctions, il peut arriver que je sois dans l'impossibilité de vous rencontrer de temps à autre. En de telles occasions, c'est avec elle que vous dialoguerez. Lucia, à votre service.
Je conçois que notre réserve vous agace. Mais nous avons pris l'habitude de modérer nos propos. Nous devons nous en tenir aux positions agréées, sans quoi cela pourrait se retourner contre nous. Sachez toutefois que le capitaine général et moi partageons les mêmes idéaux. Je prie pour que nos peuples mettent leurs différences de côté, pour le bien de tous. Ceux qui restent dans le passé ne peuvent pas avancer vers l'avenir. Si quelque chose devait arriver à l'un de nos convois, informez-en Lucia immédiatement. Vous pouvez également lui transmettre tous les messages que vous désirez me faire passer. Comme vous pouvez le constater, elle n'est pas originaire d'Ishgard. Mais j'ai davantage confiance en elle qu'en n'importe lequel de mes compatriotes. Ah, j'ai failli oublier. Sir Orchefant, si vous voulez bien. Mais bien sûr. Il semblerait que la confiance soit un problème récurrent ces temps-ci. Peut-être que ceci vous aidera à traiter le problème. Ces documents contiennent les résultats de notre enquête sur les récentes attaques des hérétiques, ainsi que le contenu de l'interrogatoire du marchand que vous avez capturé. J'espère que ces informations vous seront utiles. Sir Emeric, c'est plus que je ne l'aurais espéré. Merci infiniment. Je vous en prie. Ishgard est beaucoup de choses, mais certainement pas l'ami de Garlemald. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il fallait avoir la foi. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis soulagée de te voir ainsi devant moi, sain et sauf. Maintenant que tu nous es revenu, j'aimerais que nous discutions de ce qui s'est passé dans le Coertas. Es-tu prêt à nous faire ton rapport ? Parfait. Dans ce cas, je vais appeler les autres. Cœur de glace a invoqué Shiva à l'intérieur de son propre corps ? C'est étrange. Louisoua ne fait aucune mention d'un tel procédé dans ses notes. Est-on certain que cette entité était bien un primordial ? Cette manifestation semble relativement similaire à celle de Mogulmog 12. On peut donc en conclure qu'il s'agit d'un primordial. Primordial ou pas, le fait que Cœur de Glace ait réussi à garder ses esprits après s'être transformé m'inquiète énormément. Ce pouvoir est trop grand pour être mis entre les mains de simples mortels. Je ne pense pas qu'une telle prouesse soit à la portée de tout le monde, cependant. Il y a forcément un prix à payer. Ou alors peut-être qu'elle est spéciale. J'ignore les qualités qu'elle possède, mais je suis sûr que Cœur de Glace a été préparé spécialement pour ce rôle. Le savoir qui entoure les rites d'invocation est très peu répandu en Eorzea. Mais les agents du chaos se plaisent à le diffuser quand cela sert leurs intérêts. Pour apporter une perspective scientifique au débat, je tiens à signaler que les relevés ressemblent à s'y méprendre à ceux des notes d'Urianger. Autrement dit, cette entité possède la même signature éthérée que les primordiaux que vous avez affrontés jusqu'à maintenant. Dans ce cas, nous ferions mieux de réexaminer les précédentes manifestations. Prépare tes affaires, Ida. On retourne à Gridania. À vos ordres, chef. Les derniers mots de Cœur de Glace m'interpellent. Entends, ressens, pense. J'ai l'étrange sentiment qu'Aideline lui parle. Si Cœur de Glace possède vraiment le don de l'écho, elle va sans doute l'utiliser pour mener à bien ses objectifs. Ou alors, peut-être que c'est l'écho qui l'a mise sur ce chemin. Elle a dit que les Ishgardais étaient incapables de voir la vérité. Crois-tu qu'elle connaît les origines du conflit ? Ça expliquerait beaucoup de choses, notamment sur sa conviction inébranlable. Cœur de Glace vous a demandé d'aller voir le gardien du lac et d'écouter son histoire, n'est-ce pas ?
Je crois que ça laisse peu de place au doute. Midgard Zorm a régné pendant des siècles, mais il est mort, et nul ne peut profiter de sa sagesse aujourd'hui. À moins que les craintes des Ishgardais ne soient fondées. Il semblerait que nous ayons une autre raison pour surveiller l'activité autour du dragon. Par chance, nous sommes bien placés pour le faire. Cœur de glace, Shiva, Midgard Zorm et les Asiens. Je frémis rien qu'à l'idée de penser que toutes ces choses pourraient être connectées. Je suis au courant. Cette histoire risque de faire des vagues. Non, ça n'ira pas jusque-là. Le seul vrai problème, c'est Roban. Nul ne peut prédire comment cette brute va réagir. Demande aux lames de cuivre de surveiller les agissements des immortels jour et nuit. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe personnellement de Nanamo. Couper l'une des routes commerciales de l'Aldenar oriental. Ça devrait suffire à garder Lolorito occupé pendant un moment. Nanamo Unamo, tu vas rester à ta place bien gentiment jusqu'à ce que j'en ai fini avec toi. J'imagine que tu es venu me faire ton rapport. Comme tu t'en doutes, Alfino m'a déjà mise au parfum. Je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à croire que la grande maréchale Roa aille travailler pour les Garles Maldais. Eline nous a beaucoup aidés quand nous avons fondé les Héritiers. C'était une vaillante soldate qui rêvait d'endiguer la menace des primordiaux. Quand nous discutions du projet, je lisais une détermination farouche dans ses yeux. Je trouve regrettable qu'une femme aussi brave ait choisi de vendre son âme à l'ennemi. Oh, je me laisse trop facilement emporter par mes émotions. Je dois me ressaisir. J'ai une annonce importante à faire concernant les Asiens. Ne bouge pas, je vais demander aux autres de venir. Tout le monde est là? Bien. Dans ce cas, je laisse la parole à notre amie Moen Brida. Je vais tâcher de m'exprimer dans un langage que tout le monde puisse comprendre. Lorsque nous étions à Mante-Neige, nous avons testé la capacité de l'oralite blanche à absorber de grandes quantités d'éther. Si le résultat a été relativement concluant, elle a toutefois montré quelques problèmes de stabilité. En effet, la pierre ne peut stocker l'éther que pendant un court moment avant de l'expulser. En plus des limitations inhérentes à l'oralite, nous devons aussi nous méfier de la force de notre ennemi. Les Asiens tirent leur pouvoir d'une source d'énergie infinie. Même si nous réussissons à les piéger dans la pierre, nous ne pourrons pas contenir leur courroux bien longtemps. Oui, c'est pour cette raison que nous devons agir rapidement après leur capture. Nous pensons qu'il est possible d'exterminer définitivement l'âme des Asiens en les frappant d'un éclat d'éther pur. Le seul problème, c'est que nous ignorons la densité de leur âme. Du coup, c'est difficile de savoir quelle concentration cette décharge éthérée doit avoir. Notre seul indice réside dans votre combat contre l'Abrea. Durant cette rencontre, Aidelin t'a donné une arme qui avait la forme d'un rayon de lumière. D'après la description que tu en as faite, nous pensons que l'épée qui t'a permis de vaincre ton ennemi était composée d'éther. Certes, cette victoire a été éphémère, puisque l'Abrea a pu utiliser un cristal des ténèbres pour s'enfuir dans la fissure interdimensionnelle. N'en reste pas moins qu'Aidelin a placé le moyen de détruire les Asiens entre tes mains. Cela dit, rien ne nous garantit qu'elle fera la même chose la prochaine fois. Parfaitement. Voilà pourquoi nous devons trouver le moyen de forger une lame éthérée aussi puissante que celle qu'Aidelin a eu la bienveillance de concéder à son champion.
C'est bien beau tout ça, mais il va falloir une quantité d'éther faramineuse pour produire une telle lame. Comment vous comptez vous y prendre, au juste? Et si on utilisait deux oralites blanches? Une pour piéger l'âme de la sien, et l'autre pour stocker l'éther de la lame. T'as déjà oublié ce que j'ai dit? La pierre ne peut stocker l'éther que pendant un court moment. Qu'on en ait une ou dix, le problème est le même. Il faut qu'on trouve le moyen de produire une quantité d'éther suffisante pour créer la lame au moment opportun. Il va falloir réfléchir à une solution. Et rapidement. Comme je suis sympa, je vais rester avec vous pour tester un peu plus l'oralite. D'ailleurs, j'apprécierais beaucoup qu'on me file un coup de main. Urianger, c'est à toi que je m'adresse. Je suis vraiment désolé, mais je dois retourner au refuge des sables. Minfilia m'a confié la responsabilité des lieux. Il serait inconvenant de les laisser sans surveillance. Oh, quel rabat-joie! Puisque c'est comme ça, j'irai avec toi. Pendant que tu étais en déplacement, nous avons reçu des nouvelles de Charlayan. Tu te souviens certainement qu'un groupe de chercheurs a été dépêché pour enquêter sur l'incident de l'île de Val. Ce qu'ils ont découvert est troublant, pour ne pas dire effrayant. Leur rapport stipule qu'il ne reste aucune trace de l'île, comme si elle n'avait jamais existé. C'est à croire qu'elle a été engloutie dans le néant. Et j'ai bien peur que le mystère ne s'arrête pas là. Plusieurs érudits à travers le pays ont disparu au même moment que l'île. Plus étrange encore, toutes ces personnes travaillaient sous la direction du chef des élèves de Baldession. Elles effectuaient des recherches sur un phénomène appelé compression dimensionnelle, ou la réunion, comme l'appellent les textes anciens. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Il ne fait aucun doute que les Assiens sont derrière tout ça. Mais je sens qu'une autre force, plus terrible encore, est à l'œuvre. Je me demande si ce ne serait pas lié à l'entité que ces êtres appellent le Dieu véritable. Nous devons prier pour que mon ami Krill reprenne connaissance bientôt. Si elle a assisté au dernier moment de l'île de Val, peut-être qu'elle sera en mesure de faire la lumière sur ce mystère. Après le fléau, les forces de la 14e Légion se sont retranchées dans divers endroits stratégiques à travers Eorzea. Elles ont réagi si promptement que beaucoup ont soupçonné qu'elles avaient reçu de l'aide. Quand je pense que c'était Roaï, mon bras droit. Il semblerait toutefois qu'elle ne répondait pas au Loup Noir, mais à une autorité supérieure de Garlemald. A priori, il ne s'agit pas de l'Empereur. En consentant au projet Météor, Solus Zosgalvus a montré qu'il était plus préoccupé par le problème des primordiaux que par l'annexion des Eorzea. Ça ne l'aurait pas gêné de voir le pays réduit en cendres. Nous pensons que des personnes de haut rang au sein de la famille royale étaient opposées à la décision du souverain. Et comme elles ne pouvaient pas afficher ouvertement leur mécontentement, elles ont organisé des opérations clandestines auxquelles Roaï participait. Malheureusement, ces dispositions n'ont pas empêché Dalamud de tomber du ciel, et le chaos qui a suivi a changé le visage du pays pour toujours. Malgré tout, Eorzea a survécu. Le projet Météor a échoué, et l'Empire s'est retrouvé sans solution face aux problèmes des primordiaux. Jusqu'à ce que l'Ultima Arma soit déterrée. Mais pourquoi la 14e Légion a-t-elle choisi de se retrancher derrière ces murs? Gaius aurait aisément pu submerger nos armées, et ce, bien avant de mettre la main sur cette satanée machine. En agissant ainsi, il aurait certainement encouragé les hommes bêtes à invoquer leur divinité, ce qui aurait eu pour conséquence de drainer les terres des sols. Annexer Eorzea n'aurait alors eu aucun sens. Mais il y avait un homme à Garlemald qui croyait que les actions de Van Baelzar étaient prématurées. Un homme plus élevé dans la hiérarchie.
Il a ordonné à la 14e Légion de stopper son avancée, et a ainsi constaté que le loup noir agissait de son propre gré. Il n'y a que deux personnes qui ont autorité sur une Légion. Nous savons que l'empereur Solusos Galvus était cloué au lit, et donc incapable de tenir son rôle de meneur, ce qui ne laisse qu'une seule possibilité. Un homme en désaccord avec la politique de l'ancien empereur et qui surclassait Van Baelzar. Il ne pouvait s'agir que du grand général Varicia et Galvus, autrement dit, le nouvel empereur de Garlemald. C'est donc pour lui que travaillait Rohai. Figure-toi que ce n'était pas son seul employeur. Nous avons appris qu'elle vendait aussi des secrets impériaux à une organisation éorzéenne. En informant les deux camps, elle s'assurait la pérennité du conflit. Après tout, plus la guerre dure longtemps, plus les soldats ont besoin d'armes et d'équipements. Pas besoin d'être un génie pour deviner qui tirait profit de cette situation. Tu veux dire que c'était un agent double ? Triple, puisque Van Baelzar et le nouvel empereur avaient des intérêts distincts. Un des aspects de l'affaire reste flou pour moi. Qui lui a ordonné de fournir des informations aux hérétiques ? J'ai beau réfléchir, je ne vois pas en quoi cela pourrait servir les intérêts des impériaux ou des monétaristes. Il va falloir que nous l'interrogions à ce sujet. Je risque d'avoir du mal à garder mon sang-froid pendant l'interrogatoire. Eline a été ma plus fidèle alliée. Ce n'est pas une tâche agréable, je te l'accorde, mais elle est nécessaire. Nous devons couper la tête du serpent avant qu'un nouveau virus ne vienne contaminer nos rangs. Je le sais bien. Ses plus proches collaborateurs ont déjà tous été placés en détention. Je les questionnerai en même temps qu'elle. Général, gardez à l'esprit qu'il peut y avoir des complices involontaires parmi eux. Tous seront traités avec la même rigueur, vous avez ma parole. Ceux qui sont innocents n'ont rien à craindre. J'espère de tout cœur que cette tâche désagréable ne vous prendra pas trop longtemps. L'incertitude est un poison pour l'âme. Sur ces paroles, je vous salue. Pendant toutes ces années, j'ai été manipulé. Je n'étais qu'un pantin entre leurs mains. Comment as-tu pu, Eline ? Comment as-tu pu t'allier avec eux ? Ces vermines qui pillent cette terre sans rien donner en retour, qui utilisent leur pouvoir pour oppresser les autres, et qui s'enrichissent pendant que les gens meurent de faim. Je sais que vous pouvez m'entendre, saleté de monétariste. Vos crimes ne resteront pas impunis. Un jour, je purgerai cette cité de toutes les âmes impures qui la souillent. Je le jure devant les douze.